ni haine, ni jalousie. Je m'étonne toujours de la méchanceté des hommes envers leurs semblables. C'est plus qu'injuste que de voir ce que le monde fait la subir au peuple congolais. Une détresse sans pareil qui saute là aux yeux, mais que la communauté dite internationale tente sournoisement de faire passer sous silence. Cette communauté se rend là et coupable d'un crime contre l'humanité. Mais un crime à ciel ouvert, en faisant fi de ne pas voir ce qui se passe actuellement au Congo. Oui, ce qui se passe actuellement au Congo, inadmissible que d'accepter cette prise en otage de tout un peuple par une bande d'individus sans foi ni loi. La pression qui passe par la répression de tout un peuple au moyen des armes est juste un mauvais coup du genre qui inaugure là, oui, qui inaugure là rien de bon et de surcroît disqualifie totalement le régime en place. Cette crise devrait se passer là, de son instigateur, non seulement pour apaiser là le climat politique, mais aussi pour une transition plus qu'apaisée, qui se ferait selon les règles de l'art. Le Congo n'a pas besoin d'un homme fort, mais plutôt des institutions fortes qui seront là garants de la République, pour paraphraser là un peu Barack Obama lors de son séjour en Afrique. Oui, c'est une belle erreur que de vouloir là à tout prix nous imposer des hommes forts. À un peuple, on n'impose pas un homme fort, mais de fortes institutions et un homme fort sera toujours la cause de tous nos déboires, tel en est le cas aujourd'hui. Le Congo mérite mieux que ces traitements qu'on lui afflige là injustement, et les Congolais valent largement mieux que cette vague d'humiliation incessante. Tout le monde doit revenir là à la raison, et les démissionnaires qui s'accrochent là des mordicus au pouvoir doivent avouer là leur crime. Oui, leur crime de fin de mandat qui les a mis en toute illégalité, donc illégitime, auprès et aux yeux du peuple congolais. Dans ce cas de figure, seul le peuple est légitime. Et lui seul détient là le vrai pouvoir. Les Congolais souffrent pour leur sol qui est tant convoité et mis injustement aux enchères. On a beau me dire tout ce qu'on veut, le mal est là. La richesse du Congo fait tourner la tête à plus d'un comme une belle femme et nous révèle là le vrai visage de nos dirigeants et la vraie nature de leurs intentions. Le problème du Congo, c'est que trop des politiciens se sont fait passer pour des hommes d'affaires. Des politiciens qui ont eu les yeux plus grands que leur ventre pour s'être mouillés corps et âme dans les affaires du Congo qu'ils ont fait leur. N'ayant plus d'autres sorties possibles et plausibles, et se sentant là pris au piège par leur propre logique, ils n'ont là plus d'autre choix que de jouer le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Et cela témoigne ici tel simplement de leur égoïsme avéré, de leur irresponsabilité vis-à-vis du peuple congolais. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec ce genre et de tels individus qui souffrent là
plein d'un ego surdimensionné et qui ramène toujours tout sur eux et non pas là le sens du devoir et des responsabilités. Non, nous ne sommes pas ce Congo et jamais nous ne serons ce Congo-là. Entre les vraies valeurs et les anti-valeurs, le choix du peuple congolais est bien plus clair. Et surtout, pour en avoir fait les frais. Vouloir imposer au peuple congolais un homme providentiel, oui, un homme dont il accuse de tous les maux de la terre, c'est justement lui forcer là la main sous une épée de Damoclès. Ce qui fausse là toute la démarche, nous avons besoin d'une paix certaine, d'une paix avérée. Et le processus doit s'inscrire dans ce sens-là. Bon entendeur, salut.